Il y a un problème avec la surprise là. Aujourd'hui, tu n'es plus Monsieur Hibou, tu es Nicolas. Photographe. À 12h30, mes parents sont là. Vous avez lancé cette vidéo, vous avez cliqué sur cette vidéo et vous savez exactement ce qui va se passer. Aujourd'hui, je vais faire une surprise à mes parents, je vais leur offrir une voiture neuve, 21 000 euros. Si vous n'avez pas vu, il y a la première partie de cette vidéo qui est sortie la semaine dernière et vous pourrez aller la voir à la fin de celle-là. Bref, je vais pas faire durer l'intro, merci à World of Tanks, le jeu aux 210 millions de concrets, d'avoir sponsorisé la vidéo. Et rappelez-vous, je devais faire un son avec les mots imposés par les gens que j'ai rencontrés dans la première vidéo. J'ai fait une instru en reprenant le thème principal de World of Tanks et on va commencer la vidéo avec le résultat final. Les mots à placer étaient assaut, militaire, char Leclerc, obus, canon. J'suis dans le Peugeot, moins gang que le char Leclerc. Tout est carré, tout est calé comme militaire. Non, j'vois plus clair grâce au tirage de Manu. Porte à porte dans la commu. J'traverse la France à la vitesse d'un obus. J'gâte les abonnés, même les inconnus. Varie l'instru pour un truc un peu plus festif. Avant je faisais des remixes, là j'offre une voiture à la mif. T'as pas besoin de canon pour péter toutes les portes. Y'a 5 ans je lançais l'assaut, maintenant je régale tous les potes. J'espère que ça vous a plu, maintenant on rentre dans le vif, on va offrir la voiture. Mais pour ça, faut aller acheter une voiture. Bon, je sais pas à quel moment elle arrive cette séquence, parce que là, pour l'instant, on est un mois avant ma traversée de la France. Bref, je suis juste à côté de Peugeot, je vais aller voir du coup la voiture que j'ai snipée pour mes parents. Si ça se trouve là, quand la vidéo sort, ça y est, les barres sont réouverts et tout. Ah oui, ok, tiens, je pensais que c'était celui qui est de... Ah non, il est incroyable. Ouais, ouais, il est très beau. Hein. Je pense qu'ils vont beaucoup l'aimer. Vraiment, je suis trop hypé là, je suis trop content. Franchement, je vous dis la vérité, pouvoir leur faire ce cadeau, c'est pour moi, c'est énorme genre. Est-ce qu'il serait pas temps là de me téléporter dans un mois? . 21h53, il est bientôt 22h. On vient de finir le tournage que vous avez vu la semaine dernière. Donc on a rencontré Swafia. Oui. Allô? Oui, monsieur Macron. Y a plus le Covid? C'est impeccable. Mettez-le moi en ligne, le Covid. C'est le Covid? Nique ta mère! Waouh, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé. Il y avait un premier plan. Le premier plan pour la surprise, c'était de faire un faux shooting à Uriage et de faire passer Hibou pour un photographe qui fasse le shooting, etc. C'était le plan A. La météo a dit non. Sauf que moi, en termes d'organisation, j'ai un plan A qui est également un plan B, un plan C, un plan D, un plan Z, un plan... Donc je me suis dit, allons-y, on fait la vidéo, on prend pas le plan B, go! Bref, le plan A, il est mort. Donc il fallait un plan B. Sauf que le plan B, j'y ai réfléchi dans la nuit de hier à aujourd'hui à 1h30 du matin. Je tournais dans le lit et j'arrivais pas à trouver d'idée. Je me disais, il faut un lieu clos, il faut que je puisse cacher la voiture quelque part et qu'il soit un endroit où ils sont où ils se reçoivent pas la pluie, mais faut que ce soit un shooting photo. Parce que ma sœur a fait croire à mes parents qu'elle a mis un shooting photo. Oh là 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 là, le bourbier. Donc ce matin à 1h30 du matin, j'arrivais pas à dormir et j'ai envoyé un SMS à Adam Thirier. Adam Thirier, c'est la personne avec qui j'avais fait du coup le son Champ Rousse. Qui avait été la personne qui avait offert tous les passes pour aller au ski dans la vidéo avec McFly et Carlito, qui était le duel de d'OP. À minuit 13, je lui ai dit « Salut Adam, vraiment désolé de ce message tardif, j'espère que tu vas bien. Je viens vers toi car en gros, je fais une surprise à mes parents et je vais leur offrir une voiture ce mercredi. » Sachant qu'on est le mardi. J'aurais voulu savoir si tu avais des contacts qui pourraient m'avoir un château, ouvrir l'accès à un endroit, etc, etc. Bref, je lance ça en mode bouteille à la mer. Je vais pas lire tout le message, mais Adam, il m'envoie 4 numéros. J'appelle une première personne, Madame Béranger, qui me renvoie vers une troisième personne. Et cette troisième personne, c'est Monsieur Riff, Jérôme Riff. C'est tout simplement le directeur de Alpexpo Summum. Alpexpo Summum, c'est ça. Là, je me dis, waouh, si on peut avoir le Summum d'Angers, c'est trop fort. C'est une bête de salle, c'est mythique, genre à Grenoble. Du coup, fin de tournage à Lyon avec Swafia, on reprend la voiture avec Hibou, on arrive ici à Grenoble et sur la route, j'ai au téléphone Jérôme qui me dit, dès que tu arrives à Grenoble, viens voir la salle et on voit ce qu'on peut faire. J'arrive, je rencontre Jérôme et voilà ce qui s'est passé. On va voir ce qui est possible ou pas de faire avec la voiture pour la surprise, etc. C'est un sauveur. Là, c'est un plan B, mais un plan B, c'est un plan B Gucci. Là. Qu'est-ce qu'il y a, Jérôme? T'as vu quelque chose qui t'a interpellé? Bah, les mouettes. Ça m'arrive plutôt pas mal à moi. Alors bienvenue à l'Alpexpo. Qu'est-ce qu'on peut lui dire sur l'Alpexpo? Bah, c'est le meilleur endroit où faire un événement. C'est parfait. 32 000 mètres carrés d'espace ici. Hein. On voit à travers là. Ouais, 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 c'est assez grand. Hein. Pouh, la vache! Oh, j'ai jamais vu comme ça, c'est énorme! Il y a 32 000 mètres carrés. Au fond, c'est la salle du Summum. On va y aller après. Mais demain, tu peux très bien imaginer shooter les parents et toi te faire entrer par une des portes avec la voiture. Voilà, tu fais un petit tour. Un petit Jérôme, il est génial parce que c'est du coup tu es directeur. Moi je suis le directeur du site. Je l'ai appelé et tout de suite il a accroché à l'idée. Il a dit attends, je vais réfléchir à des idées et tout. Et là il vient, il nous propose déjà un truc. Ah, je vais tourner la caméra dans 3, 2, 1.
c'est infini. Ici, vous pouvez voir tous les événements du monde. Le salon de l'auto, il y a un salon de... Il y a tout, mais surtout en ce moment, on a des oiseaux. Ici, on a le salon de la montagne, on a des salons d'étudiants, on a la foire de Grelot, 140, 150 000 personnes. Il faut que ça revienne. Ça va revenir. Et on a le Summum, mythique salle de concert. Tu peux nous dire deux, trois grands noms qui sont passés au Summum ? Le premier, ça a été Indochine. Après, Nirvana, Muse, James Brown. Ah ouais, d'accord. L'éclairage, etc. Ça fait un peu star, machin. Tu sais, tu peux leur dire des trucs comme ça en mode... du coup, avec la profondeur de la salle, on va pouvoir faire des super choses. Qu'est-ce que t'en penses, Jérôme, si j'arrive là-dessus ? Sur les deux roues ? En mode deux roues et... Ouais, ça marche. Ouais, vraiment, c'est une sacrée salle en vrai. Ça va, mais ouais, je vous laisse. On se rendra pas forcément compte, mais pouah. Y'a combien de places là ? Quand on pousse tous les gradins au fond, parce qu'on peut les reculer, et on peut mettre 5000 personnes dedans. Et bah, je pense à un truc. Si on peut fermer ces rideaux là, je sais pas s'ils tombent jusqu'en bas, tu pourrais commencer à shooter et te dire on va se mettre devant le fond noir ici. Pendant que tu filmes en prétextant faire des photos, moi je peux passer une tête et j'ouvre complètement et y'a la voiture derrière quoi. Je vous ai dit, c'est un plan B, mais un plan B qui est extrêmement, extrêmement Gucci là. C'est sur un truc comme ça. On va voir le plan que ça donne. On voit tout le reveal, on a tout là. Les parents ne savent toujours pas que t'es là. Si tout s'est bien passé, Jérôme, ils savent rien du tout. Et là, ils pensent que je suis en train de faire à manger chez moi. Bon, bah c'est top. Alors regardez, là, regardez où je suis là. Je suis peut-être à une dizaine de mètres là. Alors moi, je vous le dis, hein, mes parents peuvent griller. Testez-moi à combien les probabilités qu'ils grillent le truc. Tu sais pourquoi ? Je vois très bien. Peut-être mon père qui, tu sais, je dis, oh, spin sur ce fond noir là. Tu sais, ils se retournent juste par curiosité. Tu fais. Il tire un peu. C'est possible. Je fais un dernier test de son. Désolé pour les oreilles, Jérôme. Alors, je sais ce que vous vous dites, c'est cramé, un lieu comme ça pour faire un shooting. C'est pas commun et ils pourraient se douter d'un truc. Et justement, ça a été à ma sœur de gérer. Elle leur a dit qu'elle avait déjà payé, que c'était pas possible de changer la date, que le photographe il voulait faire ça dans un resto vu qu'il pleuvait, mais pas possible avec le Covid, donc que la seule solution qu'il a trouvée, c'est un ami à lui qui a pu lui ouvrir exceptionnellement l'Alp Expo. Ça passe. On a certainement ultra condensé le passage, mais Jérôme, c'est un homme incroyable. Il était super prêt et tout, enfin, il a trouvé l'idée top et tout, il avait vraiment envie d'aider, etc. Donc, trop trop bien, j'espère qu'on va faire des choses ensemble, vraiment parce qu'il est incroyable. Demain, qu'est-ce qui va se passer ? On va se lever tôt avec Hibou, on va aller laver la voiture, on emmène la voiture sur place à 11h, 11h30, une heure avant que mes parents arrivent, on vous expliquera demain comment va se dérouler le plan, il y a des chances que mes parents crament le truc, j'ai juste peur du côté Summum et surtout qu'ils reconnaissent Hibou, s'ils reconnaissent Hibou, c'est mort, donc ça va jouer aussi sur Hibou il va avoir un rôle très important, dans tous les cas ils seront trop contents, ils seront trop heureux juste de me voir, mais il faut que je trouve une phrase d'accroche, genre qu'est-ce que je dis, il faut que je lâche un truc percutant, comme, vous vous y attendez à ça, non c'est éclaté, faut que je m'entraîne, alors 4 roues en vol. Oh là là. C'est très dur. Il faut une phrase d'accroche. Je suis là, papa, maman. Oh là 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 là. Je me suis gêné tout seul. Alors, le shooting, vous attendez pas votre fils ? C'est vraiment, on n'attend pas Patrick. Vous attendez pas votre fils ? Il y a quelque chose que j'ai pas dit et qui est très important. Mon papa a eu des soucis de santé. Ils sont très sensibles tous les deux. Et j'ai peur d'une chose qui est bête, mais j'ai peur qu'il fasse un arrêt cardiaque ou que le cœur lâche et tout. Je sais pas pourquoi, mais vraiment, je vous jure que pour eux, ça va être très fort. J'ai peur de ça. Donc je cherche un moyen de leur faire une surprise tout en étant un peu tranquille qu'ils aient le temps de préparer. Donc s'ils crament, en vrai, je me disais ça, mais s'ils crament, presque, ça me rassure un peu. Demain, on avancera. Là, il faut qu'on mange avec Hibou. On a eu tout le tournage, on a fini par Sofia. C'était trop. Tournage incroyable. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez explosé la barre de pouces bleus, exploser celle-là aussi. Et surtout, pourquoi pas télécharger World of Tanks ? Je dis ça comme ça. Là, à la fin de cette vidéo, vous allez être dans un mood tranquille de fin de vidéo et tout. 15 tanks contre 15 tanks. Qu'est-ce que vous en pensez de cette info ? Le lien est dans la description, en plus, à ce qui paraît. La Deluxe Creamy Sauce est là, le meilleur moment arrive. On prend la plus croustillante du paquet, il y en a toujours une. Là, je pourrais me taper contre un sanglier, là. Les grosses potatoes, elles déçoivent tout le temps. C'est comme les moules. T'as bien une petite moule ? Non, mais c'est vrai ! C'est vraiment de ne pas leur faire peur. Après, ça arrive d'un coup, mais pas d'un coup en une seconde, d'un coup en 10 heures. Ouais, faut pas que ce soit ouverture, ils se retournent et tout est là. Ta ta ta, des mitraillettes, de feux d'artifice et tout. Il faudrait qu'on les fasse douter sur le fait que je sois là. Comme ça, le cerveau il a le temps de se dire ah, peut-être que mon fils est là. La dernière fois que je les ai vus, c'était il y a beaucoup de mois. Vraiment, je pense que ça va leur faire un choc de savoir que je suis là. Oh là, ça va être bien, ça va être bien. J'ai une hyper-excitation parce que je suis stressé. J'enlève les tomates du 280, qui va dire quoi, personne ? Putain. Je suis sûr que t'enlèves les cornichons dans l'embarcadère. J'enlève, non seulement j'enlève les cornichons, mais j'enlève les tomates. Tu gardes les tomates ? Je garde tout. J'en profite parce que là je suis à Grenoble et je fais un énorme gros bisou d'amour à ma soeur Barbara, à ma soeur Johanna, à mon frère Julien et à mon deuxième frère Yvan. Je vous fais des gros bisous. Je vais te faire un sandwich québécois. C'est un MacPet. Je vais retirer la tomate.
On s'est levé un peu tard, parce qu'on a cogité hier, et surtout, il y avait un excellent reportage sur les espadrilles. Voilà, c'était super intéressant, il y avait aussi sur les olives, les arnaques aux olives. Donc du coup, ça a fait qu'on s'est couché un petit peu tard, quoi. J'étais un peu disais que c'est vrai, hein, le reportage sur les espadrilles, parce qu'on dirait une vanne. Ah oui, non, c'est pas une vanne, c'est vrai. On y est, c'est le jour J, je commence à avoir un petit peu de stress. Là, il faut qu'on aille laver la voiture. Aujourd'hui, tu n'es plus Monsieur Hibou, excellent monteur, tu es Nicolas Vellini. Photographe. Photographe de passion et de métier. Vu le temps qu'il fait dehors, le plan A, heureusement qu'on l'a pas pris. Il fait froid, il y a du vent et il pleut. Il y a les trois conditions qui font que normalement t'annules un shooting, tu le fais pas. Mais là pour l'instant je vais la laver, je veux qu'elle soit toute brillante, toute propre, toute neuve, etc. Donc on va la laver même si le temps est... Je finirai pas cette phrase. À chier. À chier. Elle est parfaite. On vient de finir de laver la voiture. Il y en a plein qui auront reconnu ce que c'est, etc. Le modèle, tout ça. Il est temps de la révéler dans 3, 2, 1. J'ai envie de faire ça toute la journée. L'uriage était définitivement mort. Hein. Ah bah là, ouais, vu le temps. Heureusement qu'il y a le plan B, vraiment là. Ça fait quand même rire qu'il rentre et qu'il dise. Bah alors, Hibou, qu'est-ce que tu fous là? Mais il est là, Jordan. Je commence à avoir un petit stress. Ah, t'auras un masque tranquille. Ça peut leur faire douter quelque chose, ça? Ouais, je pense pas. Le cas extrême, on rentre qu'ils disent. Ah, vous regardez l'un qui était là? Bon, la voiture elle est toute propre, elle est nickel. Il est 11h37. On a revu Jérôme et Franck. Du coup, Franck, c'est une personne qui s'occupe de la salle du summum là-bas. On va faire rentrer la voiture sur le côté de la scène, derrière un rideau. Et là, le plan va se mettre en place. Le plan, c'est quoi? C'est que mes parents ils vont arriver. Ils vont penser faire un shooting un petit peu particulier à l'intérieur de l'Alpexpo, etc. Vu que c'est vide, tout ça. Ils vont revenir ensuite dans le summum parce que c'est une salle mythique. Ils vont continuer le shooting dans le summum. Et Hibou, alias Nicolas, va les placer devant ce rideau. On va essayer de faire en sorte que toi, tu amènes le terrain en mode votre fils il est pas là. Enfin, tu sais que ça vienne sur ce terrain-là et que tranquillement ils commencent à se dire peut-être qu'il serait là. Comme ça, leur cerveau il est préparé à éventuellement me voir. Presque jusqu'à leur dire bah peut-être qu'il est là quoi. J'ai mes petits tétons qui pointent. Ce sera pas une surprise en mode gros ballon qui part de la voiture, énorme prod, etc., etc. Vous l'avez bien compris, c'est simple, ça va être au freestyle. Moi j'aime bien. Ce qui peut se produire aussi, c'est qu'ils arrivent et qu'ils disent c'est Hibou, bah attends, mais qu'est-ce que tu fous là? Il y a une chose que j'ai pas montré et que je rêvais de montrer. Parce qu'à Nicolas Vellini, je lui ai fait un petit truc spécial un peu. Pour renforcer la crédibilité, j'ai créé quelque chose que tous les photographes ont, une carte de visite. Qu'est-ce que t'en penses de ta carte de visite? C'est une vraie photo à toi. Et tu veux savoir une chose, c'est que j'ai pris un carton, j'avais pas de carton chez moi. Et j'avais juste des boîtes de trucs que j'achetais et tout. Le seul rectangle que j'ai découpé, il a été découpé dans le Samsung. Ah yes. Cette prod, je suis un peu stressé. Hibou, il est d'une sagesse incroyable et d'un calme olympien, comme on dit. Je peux même pas drifter, ça casse la tête. Je vous ai déjà parlé de mon organisation ou pas? Ce sera pas le plus joli des nœuds, mais il sera fait avec amour, croyez-moi. On dirait qu'il y a eu un problème sur la voiture en fait. L'heure tourne. Midi 10? Ah bah là, va falloir se speeder ça. Sa mère. On annule. Il nous reste quelques minutes, quelques dizaines de minutes là. Avant d'aller mettre la voiture sur scène, je leur ai acheté quelques petites choses. Mec, j'ai jamais eu ça. C'est un 93 en 1. Des gants. Un truc pour la pluie. Des fusibles. Un chasuble pour jouer au foot, probablement. Deuxième chose, mes parents ils sont amoureux des animaux. Ils ont deux chiens. J'aurais pris ce qu'il faut pour mettre dans le coffre, pour protéger et pouvoir mettre un chien. Ça ressemble à ça. Oh. Un sans bon, odeur, couverture douce. C'est plaisir. Un porte-clé, pour les clés, forcément. Mais pas n'importe lequel. Ma mère, elle adore l'armée, les tanks, etc., tout ça. Oui, c'est vrai. Et World of Tanks, je leur ai demandé de m'envoyer le petit porte-clé qui va aller sur les clés direct. Ok, c'est parti. Parlons du personnage un peu de Vinelli. Comment tu le sens, Yves? Je le sens très bien. Imagine, là, j'arrive. Bonjour, monsieur. C'est vous, le photographe? Oui, c'est moi. Impeccable. On garde ça. C'est parfait. Ah, j'avais une chance sur deux. Ouais, bah oui. Non, c'est pas... Mec, je reviens pas qu'on ait accès à l'Alpexpo. C'est fou, je trouve. Dernière petite chose. Est-ce que c'est pas incroyable? Je vais le laisser en fait. Bon, là il faut vraiment qu'on se mette en place. Allez, go, 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 go. Moi je stresse à mort. C'est le moment où je panique, ça y est. On y est, c'est le dénouement final. Ah mec, moi je suis ultra stressé. Regardez en gros. Il y a le rideau, il y a la voiture, et ils vont arriver ici. Et Hibou, il va falloir qu'il les fasse venir là. Aïe, 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 aïe. H, moins 4 minutes. Thank you.
Allô? Oui, je suis le papa de Johanna. Ah, d'accord, bonjour. On est sur le parking du... Il y a un monsieur, un mec à l'entrée de chez Vision, là, qui nous a dit de nous mettre vers un chapiteau. Ce que je peux faire, c'est aller dehors, moi, pour venir vous chercher, comme ça, je peux vous guider directement. Voilà, donc, on est à l'entrée du summum, voilà. Ok, bah, je viens vous chercher, et puis, comme ça, je pourrais vous emmener directement là où on va. D'accord. Super, et bah, je vous rejoins. C'était bien. Vous emmenez là où on va. Alors, pas cette entrée, surtout pas. Hein. Ah, il est court. Ce stress. Et ben voilà. Je les entends. J'ai le cœur qui bat fort. La scène du summum. Moi, je suis depuis pas longtemps, hein, donc je découvre en même temps que vous, c'est magnifique. C'est la première fois qu'on fait un truc comme ça, alors. Ah oui? Ah oui, c'est la première fois? Oui, c'est ma fille qui a voulu qu'on fasse. Ça va, vous êtes à l'aise avec les photos? Ah bon, ça va. Ils sont partis dans l'Alpe Expo. On peut commencer par faire quelque chose ici, comme ça, après on repasse là et... Je sais même pas ce que je vais dire, je vais bégayer sale. Ok, ils sont là depuis quasiment 10 minutes et je sais pas ce qu'ils font. L'un d'entre vous marche vers moi et l'autre marche dans l'autre sens. Vous allez pouvoir marcher en rond en fait, ça peut paraître bizarre comme ça, mais en photo ça va être sympa. On va se mettre sur ce fond noir là. Vous allez vous mettre, je pense, à peu près là où je suis. Ok, alors est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Faites-moi un beau sourire. Hop. Ok. C'est reparti. Hop. Alors, faites-moi un beau sourire. Vous connaissez un peu le métier de la photographie, tout ça? De la vidéo, ça colle beaucoup. Je suis youtubeur. Petit, c'est youtubeur avant? Ah, j'en connais quelques-uns. Il y a 4 200 000 abonnés. Vous devez le connaître? Ah oui, bah, je dois sûrement le connaître alors. Joica, vous connaissez? Joica, il fait. Il fait tout, il fait de la musique. Il fait tout. J'allais dire de la musique, voilà. Il est pas du coin, lui? Si, il est de Grenoble. Ah, mais il est de Grenoble, c'est ça? Ça va être le moment, c'est le signal. Il est beau comme son père. Il est beau comme son père. Mais Jordan, il a même commencé dans le cinéma. Il y a 10 ans, il a tourné un film. Ah, il a tourné un film? Ah oui, il a vraiment commencé dans la vidéo, quoi. Il a commencé comme ça, puis après... Il a toujours été appris. Par la musique, le monde du spectacle, et tout ça. Et là, il est pas dans le coin, du coup? Il est à Angers, maintenant. Ok, non, je sais pas, pourquoi il me semblait qu'il était dans le coin, hein, il y a pas longtemps, c'est pour ça. Il devait revenir le mois prochain, et maintenant, il revient pas avant juillet. D'accord, bah, c'est compliqué aussi. On va prendre une dernière photo. C'est les stars d'aujourd'hui. Hop, alors, juste, je voulais savoir une dernière chose. À propos de Joica, votre fils, du coup. Bah, je pense qu'il est, il est pas si loin que ça, Joica. C'est-à-dire? Bah, je pense qu'il est peut-être pas très loin du tout, du tout. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là? Oh, qu'est-ce que tu fais là, mon fils? Oh, vous êtes fait vraiment beau. Vous connaissez? Je suis son monteur et son cadreur. Oh, et je suis pas du tout photographe. Oh bordel, c'était dur. Oh, c'était dur. Punaise. Jérôme. Mais... Ah, t'avais compris un truc? Hier, quand j'ai vu dans ton truc, la story, là, qu'il appelait ça les croûtes de pain, je sais pas quoi. Hibou vient de me dire, j'ai fait tomber un cube de pain. C'est un cube, c'est du pain. T'as vu ça et tu t'es pas douté d'un truc là? Est-ce que vous vous attendiez à quelque chose? Moi j'entendais, je disais putain, est-ce qu'ils ont cramé, est-ce qu'ils ont pas cramé? Vous êtes trop beau là, vous êtes fait tout. Bah, on a essayé hein. Je vous présente Jérôme, c'est le directeur du summum. D'accord. Franck. Ah, mais on se connaît. Ah, vous connaissiez? Ouais, on se connaît, parce qu'on se connaît. Incroyable. Mon père, il connaît tout le monde à chaque fois. Mais non, mais quand tu étais pompier, on venait... Ah oui, parce que tu faisais de la... Bah oui, la surveillance. C'était... Indochine. Ah ouais, la vache. Ah bah... C'était le premier concert, ça. Incroyable. Ouais, ouais, le premier concert. Incroyable. Alors, j'ai peut-être une petite dernière chose. T'as changé de bagnole? Ouais, mais c'est pas tout à fait la mienne, cette voiture. Je crois que c'est même pas la mienne. Pourquoi c'est pas la tienne? Parce que c'est la vôtre. Ah, quoi? Mais t'es con, quoi? Non mais ça va pas, non? Qu'est-ce que toi? C'est la vôtre. C'est les 5 ans de la chaîne. The old me came to town. And I sat beside him at a seaside bar. Slipping through his hands was your photograph. As he let go of everything. Ils sont vaccinés, mes parents. Oui. Je prépare, je le dis. Ça fait un mois et demi que je prépare ça. Alors je pensais pas que ça allait être dur pour moi aussi. L'idée c'était d'offrir une voiture à mes deux premiers abonnés. Et c'est vous? Mais moi putain, je pensais que j'allais être solide hein. J'ai pas tenu hein. Donc elle est pour vous. Heureusement que Jérôme et Franck étaient là, parce que c'était compliqué pour mettre en place et ils ont assuré. J'ai eu du mal. On va croire qu'on a gagné beaucoup. Très belle, hein. Et ben... Ça va mon petit père? Ouais.
C'est une boule disco dans ta voiture. T'es pas content d'avoir une boule disco? Commence pas vite. Donc vous avez quelque chose? C'est que toutes les photos vont être horribles parce que je suis pas photographe du tout. Non. Il est absolument pas photographe. Il s'est fait taper. C'est lui qui monte. Johanna, elle était dans le plan. C'est elle qui vous a fait croire au shooting. Sans elle, j'y arrivais pas là, c'était la merde. Hein. Mais tu t'es mis toute belle et tout. T'as mis des belles chaussures et tout, t'as fait le raccord entre après, là. Mais pas, t'as fait une gerbe, en fait. Et là, là. Va falloir peut-être rentrer. Hibou, on va le ramener à la gare, Hibou, après. Non, mais il va manger avec nous. C'est un ordre, donc. J'étais stressé. J'avais une boule, j'avais le cœur serré. C'est les clés. Ça, c'est les clés de la concession. T'as un autre porte-clés. C'est un obus. Cette vidéo-là, elle a été faite en partenariat avec un jeu vidéo World of Tanks. C'est un jeu où tu te combats entre tanks. Donc, il y a le petit porte-clés souvenir de World of Tanks. Et puis, bon, je crois que t'aimes bien les tanks, non? Bah, bien sûr, j'aime les tanks. Bah, voilà. Et bah, tu rajouteras des chenilles à la 208. À la... Ah, papa, il va pas s'en mettre. Ah, bah, ça va vous prendre quelques moments. J'accuse de coup. T'as assuré, il a été bon. Là, parce que je me suis dit, waouh, c'est merde, mais quelle posture je leur dis de prendre. Oui, ça, c'est ça, ouais, c'était compliqué moment. Ça. Et surtout, bah, quand je suis arrivé et que j'ai sorti l'appareil pour vous prendre en photo, il y avait ça. Oh, t'es fort. Il y avait marqué Joyka ici et il a caché avec du scotch. Est-ce que t'as un message à faire passer? Là, t'as des millions de personnes qui vont voir. Je vais flouter pour pas qu'on vous embête dans la vie. Les visages, même s'ils sont magnifiques, les visages. Vous loupez grave un truc, mais les visages de mes parents sont trop beaux. Est-ce que vous auriez un message à passer aux jeunes, à la jeunesse, par rapport à tout ce qui se passe? Faut que les jeunes croient avant eux et croient aux autres aussi. Croient, peut-être. Alors, oh, mais tu sais, je suis émue et tout. Alors. Bah oui, c'est normal. Il faut que les jeunes d'aujourd'hui ils aient confiance en eux. S'ils ont des doutes, eh ben, ils se disent on y va. Et puis ça casse, ça marche. Faut tenter. Qui ne tente rien n'a rien. Fait, tu t'es fait tout seul et. Voilà. Et vous m'avez suivi surtout aussi on là-dedans. On t'a surtout suivi. Oui, on t'a suivi. Si c'est à refaire, on recommencerait la même chose. Pareil. Voilà. Mon fiston. On est fiers de toi. On va se quitter là-dessus, je trouve ça beau moi. Merci encore à World of Tanks pour m'avoir permis de faire toute cette série de vidéos là. Merci à Franck qui est là-bas. Merci à Jérôme qui est certainement qui a plein de rendez-vous et qu'on a embêté un peu en dernière minute et qui est le directeur du Summum et de l'Alpexpo. Et merci à vous pour tout. Et merci de m'avoir mis au monde. Vous le referez ou pas? On le refera encore plusieurs fois. Ah ouais? Bah oh, putain, ça je veux pas les détails après. On va partir, je suis trop content. Ma surprise a fonctionné. Un mot. Merci. Un mot de la fin. Merci mon fils. Ce sera tout. À la semaine prochaine. Tout le chat. Une dernière chose aussi, on l'oublie un peu souvent, mais il est là, il a été excellent, et surtout il a monté les deux vidéos que vous avez vues ces deux dernières semaines, et rien pour ça, j'espère que vous avez lui donné une énorme force de partout sur son Insta qui est juste là, sur Twitch aussi, parce qu'il fait des streams de temps en temps. Donc allez voir, hein. Mais donnez de la force, parce que là, si les vidéos sortent pas, si vous n'êtes pas là. Je suis Nicolas. Enfin Nicolas, voilà.